mon objectif, c'est d'avoir des abdos comme ça. Tu vois la jolie blonde là qui fait que se balader les bras en l'air? C'est mon amie Agathe. Mais si, tu la reconnais, elle était dans Qui de nous deux de la semaine dernière. D'ailleurs, si tu veux rigoler, je t'invite à aller la voir et à cliquer juste là en haut, dans le petit i. J'ai nommé Agathe. A.K.A. Gatou. Avec Agathe, on s'est rencontrés pendant notre première année d'études, après le bac à Clermont-Ferrand. Donc je l'appelle ma pote de Clermont. Mais en vrai, elle habite à Saint-Étienne. Saint-Té, pour les intimes. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais les habitants de Saint-Té s'appellent les Stéphanois. Ça va faire du sale. Genre, on va faire des galipettes, quoi. Parce que... Exactement, genre. Vraiment, quand je me vois dans l'auto, je me trouve même pas blanche, je me trouve translucide. The house of fudge. Avec le nid, tu te redessins. Ah, moi, j'arrive pas à garder mon sérieux. Ça va, toi? Ouais. Baby, baby. Je sais pas où on va, mais on y va. On a passé que 8 mois de notre vie dans la même ville, hashtag Clermont-Ferrand forever, mais depuis on a pris des routes différentes et à la fois similaires, et malgré la distance on se parle quasi tous les jours depuis 4 ans, et on se voit comme une fois par an. Et cette année je suis devenue youtubeuse. Je t'emmène avec moi pour la rencontrer et visiter un bout de la Haute-Loire. Déjà, l'arrivée sur les vacances s'est clairement fait dans la douleur, puisque mon bus qui reliait Lyon à Saint-Étienne a été annulé. Ah, bloqué à Lyon, ça commence bien la semaine de vacances. Voilà le tableau sur lequel j'aurais dû normalement voir apparaître le numéro de mon bus. Ce qui n'est jamais arrivé, lol. Bon, ça y est, je commence à être un peu excédée. Donc ils annulent mon bus, ils ont l'audace de me foutre dehors. Et le pompon sur la Garonne, sur la farce, la cerise sur le gâteau, ce que tu veux. Mais vu qu'Agathe c'est la meilleure et qu'elle disposait d'une voiture, elle a pas du tout rechigné à venir me chercher. D'ailleurs, rechigné, j'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Pendant que je l'attendais, j'ai eu la compagnie d'un petit rat d'égout. En vrai, les rats, c'est un petit peu crado, mais lui, il était trop choupinou, il était tout petit, trop mignon. On est en train d'essayer de se motiver à faire des abdos. Je trouve qu'on tourne un peu autour du pot quand même. On tourne un peu autour du pot, ouais. Bon, on se motive à faire des abdos ou pas? À part faire des défilés pour l'instant. On s'y jette. On part sur un petit... Chloé-ting. 10 minutes. It's 10 minutes de trop. Là, il y a ma copine YouTube. Tu sais ce que c'est ma solution pour avoir un flat stomach? C'est couché presque comme ça, on va pas le gras. Ah putain. On est chaud, on est pas chaud. Oui, moi je suis pas chaud du tout. Hein. Je pue la transpirine. Ouais, déjà. Et rigolade, contractation d'abdos. Est-ce que ce serait pas ça le goal finalement? Est-ce que vous voudriez plutôt se faire une bonne séance de balle au lieu de faire ça? Ah, oh, j'ai déjà mal là. Moi aussi. Oh mon dieu. Mais je veux pas. Regarde. Oh, mon dieu. Elle lève juste. C'est une putain de tricheuse. Tu vois 10 minutes, quand je t'ai dit que ça va être 10 minutes de trop. Je te jure qu'on a vraiment fait du sport, même si tu vois qu'on s'est bien marré aussi. Je vais bien pas nourrir. Apparemment on en a pas eu assez, du coup ça boit un coup. Et ça se relance. Elle a l'air trop conne. Dans le retour caméra, mais what chose, sérieux. Elle s'en ferait pas un peu de Paris et jouer sur la plage. We're halfway through the workout, guys, just keep going. Oh yeah. Hold on tight. Just push yourself. Give it your all. No pain, no gain. No pain, no tartine. Je comprends ça, man. The result you will get will blow your mind. On a une sueur qualitative là. Est-ce que ça valait le coup? Non, franchement, non, clairement pas, ça valait pas le coup, non. Non, la souffrance, de toute façon, je suis toujours contre, en principe. Après notre séance, on s'est mis à parler de plein de trucs trop intéressants, du coup j'ai voulu enregistrer ça. Je te laisse regarder. Et du coup, je me suis demandé, moi, si dans ma vie, j'avais, mais après, il y a des trucs desquels je peux pas me rendre compte, parce que tu vois, je suis pas derrière le... Bah, je suis pas derrière le recruteur, je suis pas derrière la personne qui me fait passer un oral ou tu vois, je sais pas. Et du coup je me dis, est-ce que j'ai déjà vécu, enfin j'en ai déjà vécu tu vois, mais je dirais que c'était pas violent, même si tout acte de racisme ou de préjugé qu'on te fout dans la gueule comme ça, c'est ça a une certaine violence quand même. Oui, pas physique, mais c'est violent quand même. Je me demande si indirectement, enfin ça, j'ai eu aussi ça, parce que du coup bah, je suis quand même favorisée par rapport à, parce qu'il y a tout ce truc de les métis c'est mieux que les noirs. Ah ouais, et les métis qui sont plus clairs, ben c'est mieux, les cheveux un peu moins bouclés, du coup ça rentre plus dans les cases, ce qui fait que c'est plus accepté, mais quand même on voit qu'il y a une autre origine, et du coup voilà. Et du coup je me dis, j'ai pas envie de tomber dans le truc de ah, il s'est passé ça, c'est parce que je suis noire ou c'est parce que je suis métisse ou... Non mais voilà. Tu peux poser la question. Mais oui, mais du coup ça me pose des questions aussi des fois, certains comportements. J'avais peur quand j'ai commencé à chercher des apparts, parce que bah, mon nom de famille, il est pas vraiment français. Mmh. Et du coup bah, j'avais trop peur que... Je disais ça à ma mère, je disais mais tu veux pas mettre ton nom, viens on met ton nom, parce que je suis sûre qu'ils vont pas me rappeler ou quoi. Déjà j'avais ce truc d'avant, alors que ma mère, enfin elle m'a jamais parlé de...
du fait que j'allais être potentiellement discriminée. Ouais. Tu sais, comme on voit beaucoup en Amérique, les familles qui préparent en fait ils préparent l'enfant, les adolescents à ok, si tu rencontres la police ou dans la vie, tu risques de rencontrer telles embûches, des gens qui vont te prendre pour machin machin. Attention, ouais. Et moi, j'avais pas eu vraiment ce speech là. Peut-être de mon père un petit peu. Oui, bah voilà. Plus jeune. Mais peut-être parce que justement, ta maman, elle a pas la notion parce qu'elle l'a jamais vécu. Ouais. Comme elle est blanche. Je m'étais fait du souci, ouais, j'étais là, mais avec mon nom, ils rappelleront pas, je pense pas, tu vois. Et une fois, putain, oui, madame tatata, ah, vous venez d'où? Tout de suite, bah évidemment, vous venez d'où? Parce que je peux pas venir d'ici. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et, bah moi aussi, j'étais en Afrique, j'ai des amis africains, et tout de suite, on m'étale le truc. J'ai été là-bas, oh, les gens, ils sont gentils. Oui, d'accord, ok, mais enfin, je sais pas, genre, on s'en fout, non? Ouais, on s'en fout. En fait, je pense vraiment que ces personnes-là, elles pensent te faire plaisir. Ouais, c'est ça. En mode, ah, oh, c'est super, c'est tout comme vous, ouais, on est un peu pareil, quelque part. C'est un acte de sympathie, je pense, mais qui ne passe pas comme ça, quoi. C'est plus dérangeant, en fait. Ouais. Moi, je trouve. Après, du coup, comme sous les commentaires de la vidéo sur le métissage, j'ai eu des témoignages qui étaient genre des gens qui pensaient pas du tout pareil que moi, donc qui le tu viens d'où, c'était ils étaient fiers de leurs origines et du coup, ça les dérangeait pas du tout de. Voilà, après, ça veut dire que je suis pas fière. Enfin, je suis neutre en fait sur ce truc là, mais il y en a que ça les dérangeait pas du tout et qu'ils étaient là, même ils le donnaient comme ça parce que genre limite c'était un truc sur lequel ils pouvaient se vanter quoi en fait. Ouais, totalement. Oui, c'est genre on partage quelque chose, en fait quelque part c'est rappeler qu'il y a une différence encore une fois pour dire qu'on a besoin de partager quelque chose pour se comprendre. Oui, totalement. Totalement, oui. C'est pour ça, du coup, je suis Il y a beaucoup d'implicite dans tout ce truc-là d'essayer de te rapprocher de la personne, alors qu'en soi, genre, bon, on est deux êtres humains, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de tenter de se rapprocher, tu vois ce que je veux dire? Évidemment que ça peut être intéressant de parler des racines de quelqu'un et tout, mais c'est pas le truc que tu es censé faire quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, genre, c'est pas censé te préoccuper. En fait, c'est ça, encore que toi, là, en plus, bon, pas blonde finalement, on est plutôt quand même sur du châtain. Je retourne chez le coiffeur soon. Mais on est quand même châtain, yeux bleus et tout. En vrai, tu pourrais juste pas du tout être d'ici. Tu pourrais, genre, être de. Polonaise, ouais. De Pologne, de Russe ou que sais-je. Enfin, vraiment, tu pourrais être de je ne sais où et même brésilienne là. Mais bon, avec des racines allemandes, j'en sais rien. Totalement. Et du coup, toi, en fait, ça, on va pas du tout te demander ça. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, putain. Genre, quand j'étais en. C'était encore en seconde ou en première, donc voilà, 15-16 ans, on devait faire un voyage à Strasbourg avec notre prof d'histoire. Et putain, on devait faire du coup, on avait besoin d'avoir une carte d'identité pour le voyage et commencer à faire les préparatifs, les papiers. Et du coup, il demande dans la classe, bon, tout le monde a ses cartes d'identité, tatata. Et là, il me dit, Enayanka, t'es française? J'étais là. Genre, sur le coup, j'étais là. Genre, j'ai même pas su quoi répondre en fait, parce que, genre, limite, il m'a foutu le doute en fait, à me demander si j'étais française, tu vois. Parce que je m'étais jamais vraiment. Enfin, je savais que j'étais française parce que j'ai toujours été là, mais j'avais pas conscientisé le truc. Oui, j'ai une carte française. Enfin, je suis française. Ça. C'était d'une telle logique qu'en fait, il m'a même fait douter. En fait, c'était trop bizarre. Du coup, j'étais là, oui. Et il me dit, du coup, t'as la carte d'identité, t'es française, t'es sûre. Il m'a demandé, t'es sûre, hein, en plus. Oh là là, mais c'est horrible. Et même mes potes, ils étaient choqués, tu vois, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait un. Enfin, que j'avais été pointée du doigt alors que à la base. Ah, mais encore plus devant toute la classe, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas acceptable, pas devant la classe non plus, tu vois, mais encore plus parce que là t'as plusieurs regards sur toi. Oui, parce que oui, il faut préciser, j'étais du coup la seule. Ouais, je crois que j'étais la seule métisse. Métisse ou même noire ou. Je crois que j'étais la seule, ouais. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à cette époque-là un gars qui s'appelait. Comment il s'appelait? Dominique, qui était canadien. Okay. Il venait du Canada et qui lui du coup n'avait pas la nationalité française. Mais vu qu'il était blanc, on s'était même pas posé la question de demander à qui, quoi. Et du coup bah, j'avais été choquée à ça. Je suis rentrée chez moi et j'avais raconté l'histoire à ma mère qui avait trouvé ça aussi un peu genre. Enfin qui avait trouvé ça abusé quoi. Et j'avais raconté ça à mon père aussi, puisqu'à l'époque je lui parlais. Du coup lui il s'était outragé. Ouais, c'est ton grand-père qui s'est battu pour la France, et là voilà ce qu'on te renvoie dans la gueule, nanana. Enfin bref, il s'était genre. Il parle pas de tout comme ça, mais il s'était énervé vraiment. Et il avait rédigé toute une lettre au directeur pour dire à quel point c'était pas acceptable. Et du coup je crois qu'après on s'était retrouvés. Je crois qu'il s'était même déplacé jusqu'à Millau pour venir rencontrer le principal et le professeur, parce que du coup bah, il avait considéré ça comme du racisme et comme un truc qui était pas du tout. Et ce qui est assez légitime en fait, parce que voilà. Parce qu'en fait c'est des petits trucs comme ça qui font que après ça mène à bah, la catégorisation des gens et, Et ainsi de suite, les boules de neige. Et non, faut du pas coup, laisser passer, il a eu raison. Ouais. Sur le coup, à cette époque-là, je me suis dit, bah ça va quand même, bon, c'est vrai que.
Genre c'est pas cool, mais en soi, enfin on s'en fout un peu. Mais maintenant je comprends beaucoup mieux le truc qu'il y a eu dans sa tête à lui, parce qu'aussi il a vécu beaucoup plus de beaucoup de discrimination, etc. Beaucoup de passages à tabac par des groupes, machin. Bref. Et du coup, il y avait eu le proviseur avec le professeur, et je crois qu'il lui avait genre présenté des excuses et tout, et c'est dingue ça. Il y a une certaine violence dans ce truc-là aussi, tu vois, de te dire, en fait, j'ai besoin de justifier ce que je suis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est si souple. Bah, moi je le touche pas. Hein. Regarde. That's alright. Je pense que j'ai la graisse qui me coince aussi. Non, ça me connaît, je pense que ça a un effet. Je disais, c'est le besoin de se justifier, alors qu'en plus t'es à un âge où tu comprends même pas le besoin. Ouais. De... Oui. Genre, en fait, tu sais même pas qui t'es et on te demande déjà de te prouver en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est encore plus violent. T'es là, ben vraiment, c'est comme je disais, où c'est les autres qui m'ont fait remarquer que j'étais différente. Ouais, parce que sinon, pour moi, genre voilà. Et après, du coup, ça m'a aussi forcé à me wake up sur le fait que dans le monde, à réaliser dans quel monde je vivais, qu'il y avait tout ça, des et que choses je devrais avoir affaire à ça, et qu'il fallait aussi que je sois préparée à ça, et que je connaisse l'histoire de pourquoi c'est comme ça aussi, quoi. Finalement, merci monsieur, on taira son nom, mais juste qu'on a été faire des petites courses pour notre petite semaine. On est allé acheter également des petits trucs à tester. Ça, c'est Naya qui m'a dit qu'il fallait tester. J'adore ces chips. Et... attendez, vous voulez que je refasse comme si j'avais testé? Non, très très bon, vraiment très bon. Ensuite, il y a ça, des chips de sarrasin. Ça a le goût de rien. Fais ça là. Ouais, il faut faire le. Les influenceuses là de base. En vrai, c'est bon. On valide. On valide. Validé. Nos séjours à l'étranger qui nous ont fait aimer ça là. À moitié plein. Alors le focus est absolument dégueulasse, hein, vraiment. Ça marche pas. Genre on s'est pris des trucs grave cool et puis on a dit bah vas-y c'est ça, on mettra sur la table, voilà, pour les autres gens. J'adore. Coucou, c'est le jour numéro 2 à Saint-Etienne. Aujourd'hui, on a chillé parce qu'hier on a fait soirée. Faut que j'arrête avec ces accents, putain. Et aujourd'hui, donc on va aller se balader un peu dans Saint-Etienne. Je sais pas, ça va être cool et je vais essayer de filmer un peu tout ça. Oh. Gatsou, t'es prête à nous faire la visite touristique? Ah oui, oui, et gratuitement en plus. avec tout l'amour dont je suis capable. Et puis ma connaissance pointue de Saint-Etienne. C'est surtout ça qui est très important. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Game of Tram, ligne 3. Tramway T3 is coming, Game of Tram, tout ça. On rigole bien. Est-ce qu'on meurt? Oui, on meurt. On va du coup, Agathe m'a dit qu'il y avait... C'est quoi cette colline? En fait, c'est vraiment qu'il y a cette colline? Oui. En fait, Saint-Étienne, on l'appelle la ville de cette colline. Vraiment, je ne vais pas faire la meuf qui sait parce que vraiment, on l'a littéralement appris il y a peut-être 2 semaines, tu vois. La ville de Rome, qui est aussi appelée la ville de cette colline. Et donc, il y a plusieurs endroits dans Saint-Étienne. Là, on va au Cré de Roc, qui est une des petites montagnes de Saint-Étienne. Bah, il y en a 6 autres, quoi. Honnêtement, il y a un petit point de vue, apparemment. Ouais. MDR, à un moment donné, Agathe s'est crue dans Chasseur d'appartement. Je te laisse apprécier ça. Petit cours avec Agathe d'immobilier. Ah mais moi, Stéphane Plaza, vraiment, il m'a tout appris ou c'est moi qui lui ai tout appris. Je pense que c'est peut-être plutôt ça d'ailleurs pour le truc. Je passe ma vie sur le bon coin. Je n'ai absolument aucune intention de déménager, mais je passe ma vie sur le bon coin à chercher des appartements. C'est ma passion. Ah ouais, c'est génial. Je reconnais un immeuble haussmannien au fait que les balcons se trouvent au 2e étage. Donc là, on a un semblant de petit balcon au 2e étage de cet immeuble. Voilà. On est parti sur un truc qualitatif. Hein. Vraiment, on est sur de la qualitativité. Ah ouais. Une sauce salade à l'ail, mais vraiment genre base de ma vie. Donc voilà, après la petite balade, on est rentré, on a cuisiné, on a mangé. Et on s'est fait un petit tweet qui sera aussi objet de petit déjeuner. Là, c'est du muesli fait maison, chocolat amande avoine, sirop d'agave, c'était fort bon. Voilà! Allez, après les tequilas d'hier, chose. Là, Agathe m'explique toutes les étapes de son concours pour devenir professeur d'anglais. D'ailleurs, elle l'a passé il y a quelques jours. Force à elle, j'espère qu'elle l'aura.
Ça me fait trop rire, du coup je suis en train de penser aux commentaires que je me suis déjà pris quand les gens voient mes cheveux et qu'ils se disent putain mais toi tu fais rien pour tes cheveux, genre tu les coiffes même pas, ou alors des trucs t'aurais pu te coiffer, ou qu'est-ce qu'on m'a dit mais en fait là tu t'es juste réveillée et c'était comme ça. Oui bien sûr. Donc le prochain qui me dit que je vais pas préparer mes cheveux. Et on met de la musique, de la musique. On est parti de Saint-Etienne pour aller dans le petit village d'Agathe, passer le week-end chez ses parents, à la campagne. Et je peux te dire que ça faisait vraiment du bien après 2 mois de confinement dans un studio étudiant bloqué à 2. La French à la campagne. J'avoue. Oh my god, look at her butt. On est dans la campagne d'Agathe. J'ai vraiment le sentiment qu'on s'est beaucoup rapproché dernièrement, et c'est génial, que malgré la distance, on continue d'être dans la vie l'une de l'autre. J'étais super contente d'enfin rencontrer sa famille. MDR, j'ai l'impression que je suis le gendre caché. N'importe quoi. Et puis je suis hyper contente de voir que notre complicité est toujours là. Je sais pas si ça te le fait, mais quand t'apprends à connaître quelqu'un, plus tu partages des moments avec la personne, plus tu la trouves géniale et radieuse. Ben, c'est ce que ça m'a fait avec Agathe. Je la trouve encore plus belle parce que c'est une belle personne intérieurement. Là, on se baladait dans le petit village d'Agathe et elle me disait qu'il y avait une tradition pour les jeunes au cours de leur année du bac. J'en avais jamais entendu parler parce que ça ne se fait pas du tout de là où je viens. Donc je lui ai demandé de t'expliquer. Ça se trouve, je vais très mal expliquer aussi. Donc désolé pour ceux qui connaissent et qui disent, mais elle dit n'importe quoi. Chaque année, les enfants du village qui ont 18 ans dans l'année, au mois de mai, se regroupent. C'est les classards en fait, donc ils font la classe. Dans certains autres endroits de France, on appelle ça les conscrits, je sais. Okay. Il y a sûrement peut-être d'autres appellations à d'autres endroits de France. Le principe est de se retrouver entre personnes du même âge. Il y a des opérations qui peuvent être faites, de vente de muguet, par exemple au premier mai, de vente de brioche, des choses comme ça pour récolter de l'argent. Et en fait, après, chaque groupe, chaque année, décide ce qui va faire de l'argent. Il y a des années où on utilise cet argent juste pour faire la fête et boire, hein, voilà. L'abus d'alcool est dangereux à la santé. Et puis il y a d'autres années où les personnes sont un peu plus organisées et vont un peu plus loin et organisent un voyage et tout. Ce que nous on a fait d'ailleurs, on a dû rajouter un peu d'argent de notre poche, mais on a fait un petit voyage de quelques jours, on allait camper en Ardèche. Trop bien. Et voilà, c'est une tradition du village où pendant tout le mois de mai, les week-ends en principe, parce que... La semaine, quand même, on a des vies, notamment moi, j'étais à 2 mois du bac, tu vois, 1 mois du bac. Mais les week-ends, on se regroupe, on fait la fête, mais la journée, on se balade en fait de quartier en quartier. Et ça, c'est fou, ça, voilà, ouais. Raconte ça. Voilà. On va voir les habitants, on toque aux portes, hein, et s'ils nous accueillent, nous donnent un petit peu d'argent, c'est cool. Comme la tradition est quand même répandue, que tout le monde sait un peu ce qui se passe, souvent, ils nous accueillent aussi, ils nous offrent à boire, et voilà. Voilà, c'est la petite tradition. Comment s'appellent les habitants de la Haute-Loire ou de la Loire? Les habitants de la Haute-Loire s'appellent les Alti-Ligériens. 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 Qui l'eût cru? Et ceux de la Loire, donc les Ligériens. Hein. C'était le point du tout. En mode chillance ultime, ma foi. Oui. J'ai l'impression d'être en vacances dans une contrée lointaine. Je suis si blanche. Je crois que je suis un peu remée. Tu te réveilles avec les oiseaux. Est-ce que c'est pas ouf ça? C'est génial, j'adore. Je veux vivre ici, putain. Et t'as la vue aussi. Hâte de vivre ici. J'emménage, Agathe. Là, il y a eu ce moment, un peu inexplicable, où on s'est retrouvés dans son jardin et on s'est dit, vas-y, on fait des pauses. Du coup, on a filmé ça, et on a fait des pauses, et tu poses, et tu fais des pauses. J'espère que t'as la ref. Rapproche un peu. On est en train de repartir direction Saint-Étienne. On va faire réviser Agathe ce soir. Oui, parce qu'Agathe va passer son concours pour être professeur d'anglais. Vraiment, on passera pas ensemble. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et il nous pleut sur la gueule. Là, c'était le moment où on a décidé de faire un karaoké genre à 1h du matin. J'espère que les voisins nous pardonneront. Et on s'est pris pour des chanteuses pop, donc je te laisse avec ça. La crooneuse.
how so far. I'm not moving, yeah. I'm not moving. With every breath I take, every minute, no matter what I do. Pourquoi j'arrive pas à garder mon sérieux? Won't you save me? There's gonna be a month soon when you get back to me. Can't help it, I'm in love. My breath away. Avec Selena Gomez en fond parce que. On voit son privé. Là, ça devait être genre la troisième fois qu'on se faisait du muesli pour la semaine. On en a tellement mangé, mais à la fois c'est hyper bon et hyper sain, donc qu'est-ce que tu veux? La bouffe, c'est la vie. Très clairement. Ici, en fait. Non, mais ça va être bon. Ça va être bon. On va partir en ville pour un resto for the last night. Et je viens de regarder mon petit YouTube studio et je viens de voir que nous sommes à présent 501 sur la chaîne. J'avais des doutes au début sur le fonctionnement de cette chaîne. Du coup, je suis contente de voir que quand même ça évolue dans le bon sens et que bah, j'ai pu interagir avec pas mal d'abonnés. C'est trop bizarre de dire ça parce que moi, bah, je suis moi-même une personne abonnée à des centaines de gens. Mais bon, bref, du coup, c'est grave cool. Enfin, c'est grave cool de voir que ce que je produis plaît et que ben, voilà, vous êtes là en train de regarder, que tu es là et du coup c'est kiffant, c'est kiffant. Et pour la dernière soirée, on s'est fait un petit resto italien hyper cute et c'était très bon. Je suis quand même trop contente de retrouver mon appart parce que c'est mon petit appart et que ça fait longtemps que j'y étais pas allée. J'ai retrouvé mes plantes aussi qui sont en train de clamser, les pauvres. J'ai un bac plus 8 en tuage de plantes, c'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi... Je suis une killeuse, putain. Regarde ça. Bon ben voilà, je suis de retour à Montpellier. C'était une belle petite escapade. Je te fais des bisous, j'espère que la vidéo t'aura plu. À la prochaine aventure. Ciao.